L'ouverture du musée est proche. À tous les étages, c'est l'effervescence. Dans la salle des dessins d'Ingres, la scénographe et la conservatrice du musée règlent les derniers détails. Elle, je l'ai mis là et lui, je l'ai mis là. Donc, on aurait la place. Dans les grandes vitrines, les objets d'antiquité du maître côtoient ses dessins, une mise en scène très étudiée, une invitation à percer le mystère de l'élaboration d'une œuvre. L'exception d'Ingres ici, c'est qu'on a, je crois, ce qui arrive jamais, on a le dessin du maître, mais l'œuvre qu'il a dessinée, c'est juste incroyable. Donc on a conçu des vitrines vraiment particulièrement pour faire ce rapprochement. Esquisse antique, portrait, nu féminin, dans ces meubles à tiroirs conçus exclusivement pour le musée, plus de 200 dessins se dévoilent. Protégés de la lumière, ils s'offrent inlassablement au regard des curieux. Ici, ils sont tous agréables à regarder, parce qu'on est à hauteur d'œil. Donc quand on le tire, on a juste le regard du personnage et son propre regard qui se croisent. On est à bonne hauteur et c'est confortable. Tous les dessins sont bien présentés. C'est extraordinaire. On peut rentrer dans les détails de la chair, c'est hallucinant. Beauté totale. Et en montrant ces dessins comme ça, dans leur simplicité, on permet au public de découvrir à la fois des œuvres de qualité, d'une virtuosité éblouissante, et puis d'autres plus tâtonnantes, plus de recherche, qui donnent accès à ces processus toujours un peu mystérieux d'élaboration des œuvres. Il pose un regard chirurgical sur les œuvres. Olivier Clairin est restaurateur pour le musée depuis 20 ans. Dans la chapelle, consacrée aux peintures de salon, il termine ses travaux de restauration. Là, on est sur la dernière ligne droite. L'ouverture, c'est dans quelques jours. Et on vient faire ce qu'on appelle plus du bichonnage. On a une éthique qui est très rigoureuse en restauration, voilà, avec des principes très, très clairs. On essaie d'intervenir toujours au minimum possible. En fait, les pigments que j'utilise vont être très facilement retirables. Avec sa collaboratrice, ils ont travaillé pendant plus de 3 ans à la restauration de plus d'un tiers des peintures d'Ingres du musée. Ingres, plus on travaille dessus, plus on le trouve vraiment touchant. Parce que par exemple, Jésus parmi les docteurs, je crois que c'est un tableau qu'il a gardé très longtemps avec lui. Quand on prête attention, on voit que chaque portrait autour de lui a vraiment un caractère propre. Mais il y a vraiment des personnages où je me suis dit, mais lui, je le connais. Une intimité qui sera certainement révélée par une mise en lumière totalement repensée.